C'est le troisième projet du genre mis en branle dans le cadre du plan gouvernemental de redressement industriel. La société commune Somatel-Liebherr s'attellera à renforcer le marché algérien par une nouvelle gamme d'engins de travaux publics à même de répondre à la demande nationale en la matière. La société Somatel-Liebherr a été créée le 1er juillet 2012 en partenariat donc entre la Somatel filiale du groupe NMTP à 100% et le groupe Liebherr avec une parité de 51% pour la partie algérienne et 49% pour la partie Liebherr. Elle aura pour mission la production de 400 engins de matériel de terrassement. Somatel-Liebherr ambitionne de mettre en place des investissements supplémentaires, spécifiques dans l'objectif de localiser certaines pièces et composants, permettant ainsi l'intégration nationale des produits à un taux de 50%. Gleich hier anzuschließen, was wir zusammen hier jetzt in Algerien et vraiment axé sur le transfert de technologies, de savoir-faire, et ce, non seulement limité sur le produit même, ce transfert de technologies en produits, mais aussi ce transfert du savoir-faire industriel, de la construction pour la ressource humaine, donc formation de la ressource humaine locale pour faire le transfert également au niveau ressources humaines.